Salut à tous et à tous, c'est Orsa8, on se trouve pour une petite vidéo spéciale. Donc une vidéo d'un déballage d'un truc, voilà. C'est pas un truc que j'ai acheté sur Amazon, voilà, ou sur AliExpress ou un truc. Enfin, j'ai acheté ça au magasin directement. Parce que voilà, je suis promené ce week-end, voilà, j'ai fait des trucs aujourd'hui. Mais c'est vraiment, je voulais, voilà, le truc et je l'ai trouvé pas trop cher, voilà. Donc voilà, donc je vous fais montrer, voilà, vite fait. Voilà, le film One Piece Red. Donc il est sorti, je crois, le 31 mars, il me semble. Cette année, enfin ouais, il me semble c'est ça, 31 mars, voilà, et je l'avais vu le film au cinéma à Thouars, voilà, je l'avais vu en VO, et enfin je l'avais vu en français, et après j'avais vu en VO, voilà, et j'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis, et je sais que je l'ai bien apprécié, donc c'est un One Piece un peu particulier, parce que il y a un peu d'aventure, il y a de la baston, mais c'est tout, c'est plutôt un film, voilà, sur l'ambiance musique, quoi. Voilà, donc je vais pas vous raconter l'histoire parce que si vous n'avez pas vu le film, voilà, et que vous le regardez sur, par exemple, sur la plateforme de streaming, ou le télécharger, ou l'acheter en DVD, voilà. Du coup, voilà, on a la belle jaquette, comme c'était au film, voilà. Je vous le dis parce que des fois, les jaquettes du DVD changent comparé voilà, à l'affiche qu'on a au cinéma. Donc on a Shanks, voilà, on a Luffy, on a nouveau personnage Uta. Donc, où les chansons les chansons d'Uta sont chantées par aussi, donc il y a un set de musique aussi, que vous pouvez trouver aux alentours de 9-10 euros, donc qui est sympa. Donc, il y a cette morceau de musique dans le film, voilà. Donc, voilà, sur un bon fond bleu avec les nuages, un peu le décor de la scène, voilà. Donc, à l'arrière, on voit les images du film, quoi. Voilà. Voilà. Et sur le côté, ben, on voit le nom du film One Piece Red. Donc, Blu-ray. Donc là, c'est juste une boîte pour vous protéger. Après, là, vous voyez le film est dedans. Et du coup, alors je ne sais pas si c'est dans tous les magasins comme ça où on la jette. Mais à Leclerc, voilà, j'ai pris à Leclerc, vous voyez le logo. Et voilà, sur la photo, il y a deux posters. Mais je pense, avec comme les deux DVD en Blu-ray, il y a un poster, en fait c'est même la plupart des films des séries One Piece que j'ai là dans mon étagère, il y avait en cadeau un petit poster ou un drapeau, voilà, où il y avait des autocollants à coller, voilà. Mais par exemple, ils présentaient sur la jaquette, il y avait par exemple Luffy, par exemple Brook et Nami, et par exemple sur un des coffrets, ben, j'aurais eu un des trois, quoi. Là c'est pareil, là et pour le truc de One Piece aussi. C'est pareil, c'est comme pour le truc des Bodins, dans les Bodins au Thaïlande, le dernier qui est sorti. Il y a, dans le DVD Blu-ray, en fait, il y avait un masque de nuit à mettre. Voilà, moi j'ai vu Mario Bodin et puis une collègue de travail qui a acheté aussi le DVD. Comment dire, elle a vu Christian, la tête de Christian. Du coup, on fait un petit échange, voilà. Du coup, on va ouvrir ça tout de suite. Du coup, j'espère que vous avez vu la qualité de vie. L'image n'est pas trop sombre parce que je peux pas trop mettre quelque chose. Oh merde, j'ai un peu abîmé. Alors, faut savoir, il y a trois versions du DVD. La version Blu-ray comme j'ai là. Voilà. Et il y a la version. Il y a un truc bizarre sur ma. Comment dire, il y a le DVD normal, Blu-ray, il y a une édition Blu-ray de Collector avec un fond, avec Uta un peu noir, quoi, avec comment dire, avec voilà, enfin, en gros c'est une édition collector qui coûte 30 euros environ, voilà. Du coup j'ai un peu abîmé la boîte, désolé, voilà. Ah ouais, cool, c'est la même jaquette, voilà. Du coup, voilà, vous voyez les mêmes trucs, donc vous voyez aussi des images en plus que vous n'avez pas pu voir à cause du prix. Du coup vous allez voir ça. Oh là, c'est que je crois que c'est un poster qui fait double, qui est retour verso. Du coup là, on voit sur le CD Uta. Et là il y a le poster, alors je vais vous faire montrer.
Ah non, c'est un poster, vraiment, c'est un poster Retro Verso. Ah, c'est cool. Que ceux-là qui voulaient pas avoir l'hôtel et qui veulent le truc. Ah, c'est cool. Attends, je galère un peu. C'est cool. Cool. Là, vous avez Shanks, voilà. Donc, ça, ça s'inspirait d'une scène à la fin du film. Voilà. Voilà, je vous fais montrer. Donc voilà, si vous voulez pas spoiler, regardez pas la vidéo. Et là vous avez l'autre côté. Où là il faudrait mettre, je sais pas, des espèces d'épingles à linge, et le mettre au mur, et puis que ça tourne. Donc là vous avez la jaquette au début du film quasiment. Avec tous les personnages, tout l'équipage de Luffy. Voilà. Donc sympa. Sympa. Vraiment sympa. Alors si vous adorez One Piece, vous adorez collectionner les trucs et tout ça, franchement, vous allez vous faire plaisir. Alors je sais pas par contre si dans l'édition normale, le anti-blu-ray, je sais pas si par contre vous avez le cadeau, j'ai pas regardé. Alors si vous avez acheté le DVD normal, n'hésitez pas à me le dire aussi dans l'espace commentaire. Dans les collectors, je pense que oui, il y a ça. Il y a peut-être un truc, un poster en plus, et voilà. Donc voilà, moi je vais arrêter là parce que voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Donc c'est un petit collector, enfin pas un collector, mais un petit truc de DVD Blu-ray One Piece sympa. Le CD, la belle boîte pour protéger, plus un poster qui est Retro Verso. Franchement, pour 15, environ, je l'ai payé environ 15 euros, ça vaut le coup quand même. Voilà. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. C'est à plus, bye.